Bonsoir à tous. Eh bien, content d'être là ce soir parmi vous. Un petit peu plus nombreux qu'hier soir, hier salé. Ça prouve que la victoire est en marche. Eh bien, le mot de Gabinitia m'a dit qu'à réfléchir, m'a dit c'est plus grand circonscription. C'est la Guinée plus monde. N'est-ce pas? Et c'est là aussi qu'il y a plus de monde en l'air, c'est les 7 par section. Qu'il y a plus de monde. Alors, qu'il y a 17. Si je reçois une circonscription au sud, qu'il y a 16. Mais c'est celle bagaille nous avons un défi d'ici, parce que dans le sud, pas quitter nous, il y a des autres, parce que c'est plus de monde qui a venu voter, pour que je fasse plus de voix qui nous, Balfred Marie-Jeanne. Parce que, bon matin, il y a un message de Michel Fred Marie-Jeanne. Je dis là, quoi faire, moi je n'ai deux mounes. Il y a Michel Rocher. Ou quand il dit, Michel Marie-Jeanne, qu'on s'abat nous, ranger quoi pour gagner l'élection, parce qu'elle nous besoin, et nous besoin plus jeudi à qui nous besoin quand il était élu, première fois au conseil régional avant. Dis, bah, message de Abano. Alors, Alfred, mettez commentaire tout, que, Yoga attend nous, Munga attend nous, tout le monde. Car là, même ça qui n'a pas manifesté, nous pas savons qui manière il y a une souffrance. C'est l'occasion de ces mounons, ou qu'à parler bio, ou qu'à voir qu'il y a une souffrance à travers le peuple. Et c'est vrai là, au soya, je présente comme président de la communauté d'agglomération de l'espace sud. Mais tout le monde qui est ici a raté ça, que moi, président du comité d'agglomération de l'espace sud, Brissaf qui fait François, comme élu président de la communauté d'agglomération de l'espace sud, il m'a dit qu'il y a un mec qui est plus petit commune dans le sud peut être président de la communauté d'agglomération de l'espace sud. Parce que mes plus petits communes, il y a un plan de travail, un programme de travail, il est payé à avancer. Il n'y a un contrat de mandature. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. Et nous cherchons à décaler moi, puisque tout va tout sur les zones. Nous cherchons toute manière pour moi, pas te rester là, toute qualité manière. Mais moi là, je vais rester là et je vais finir mandat et je vais travailler. Pas seulement dans le sud de l'île, mais dans toute la Martinique. Et je vais vous donner des exemples. Concernant. Dieu qui a parlé. À présent, les transports sur le site de l'île. Là aussi, j'étais obligé de mettre M. Letchimi en justice pour le sud de ces transports. Parce qu'il cherchait à mettre le couteau en bas de genoux. Parce qu'il partait qu'à verser l'espace sud. 14 millions par an, il partait les verser, le versement transport qu'il nous doit. Puisqu'il était président de la CACEM, et il m'a fait remarquer que la CACEM, c'est 24 millions d'euros de versement transport, et tandis que nous, dans le sud, c'est 2 400 000. Il va être obligé, pour le bien-être de la population du sud, à les mettre en justice pour cela, et qu'il m'a déposé une question à un moment donné. Est-ce qu'un président de la région Martinique ou président de la région de la CACEM pour de la conurbation de Fort-de-France? Et c'est ça politique talaire américain, sa politique sectorielle. Laissez pas petit copain, laissez pas frère, laissez pas sœur, laissez pas famille, parents et alliés, gardez manière, il y aura que ça gâche là. Et il va dire que ça, il y a aussi au niveau de la restauration scolaire, parce qu'il y a fait le CRPJ. Ils ont fait la CRPJ, convoquez-moi. Mais allez, parce qu'ils ont pensé qu'au niveau. Alors, on a dit qu'au niveau de la restauration scolaire aussi, pour le sud, pour nos élèves, nos scolaires du sud, là aussi, vous savez, ça fait un tas de bruit, qu'on a cherché à me démolir, on a cherché à me démonter, paniquez-vous Alfred, paniquez-vous Diplote, vous dites d'autres pour nous, quand vous cherchez, vous pouvez me servir, vous avez un peu de machin. Et moi, il me l'a d'ailleurs demandé, ça m'a dit de chercher, parce que l'année a arrivé chez Maniaye.
de convoquer toute commission maintenant. C'est pour dire que jeudi jour, il faut que nous réagissions. Il faut que nous disions que faut que nous finissions puis ça. Pays qui a pris de l'eau, Martinique qui a pris de l'eau. Pour nous empêcher Martinique couler. Et seule manière pour empêcher couler, pour employer un terme mieux, il faut que nous ayons un plan de relance. Mais le plan de relance est là pour sauver Martinique. C'est puis Claude Lise et puis Alfred Marie. Et ça, c'est depuis le 6 pour nous mobiliser pour nous. Pour tout le monde a envie de voter. Il faut que personne ne arrête. Faut que nous l'avons des combattants, faut que nous des guerriers, faut que nous allions tous les jours, de jour en jour, mener mon vini et puis nous, faire mon comprendre que le pays est en danger parce que faut finir et puis gouvernance ta là, faut finir et puis politique ta là pour nous mettre des mondes qui intègrent, des mondes qui honnêtes, des mondes qui ont vie, qui ont même pays pour faire évoluer. Parce que là nous regardons, ne serait-ce qu'au niveau du social, au niveau des bagages qui te mettent en place au niveau du conseil général qui disparaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi, puisque j'ai développé ça tout à l'heure. Mais, je te gagne main, disons, sur le volet de l'éducation, où, et puis Claude Lise, nous mettons en place ça, il y a des école, famille, quartier, pour prendre en charge des petits mamans qui sont en échec devant le dispositif, devant le système scolaire. Nous mettons ça, nous travaillons avec des psychologues, et il y a Francis Carole, dans groupe là, et puis nous menons un combat là qui te gagne de bons résultats parce que nous te gagnons des évaluations qui te gagnent, nous te gagnons en charge. Et bien, je dis, c'est vrai que vous mettez en montant au niveau du budget de 2014 qui gagnent, ce sont des actions qui timides. C'est pour dire ça, comme ça, qu'il y a une politique qui nous a mis en place, sans politique de l'élite, qui aura pris ça qui est arrivé, qui aura pris ça qui a dit les moyens. Il y a été mon pays, et puis les petits qui ont été derrière. Alors, mettez ces actions-là que nous mettons en place. Qu'il s'agisse du logement social, qu'il s'agisse des aides aux étudiants. Ces étudiants, nous, on va pas faire. Jeudi, c'est les CCAS qui a payé des billets d'avion, qui a aidé pour payer les billets d'avion, qui a aidé pour payer le premier mois de loyer. Parce que du temps d'Alfred Marie-Jeanne, il tenait un aide qui était machin aux étudiants. Eh bien, être à la forme qu'on... Oui, mais nous pas dire n'est pas ici. Hein. Bon, glace au soleil. Voilà. Eh bien, c'est pour dire ça que en noir était ça. Il tend pour nous réagir, il tend pour tout le monde à mettre quoi du tout. Et puis Alfred, et puis Claude, pour nous faire payer à devant parce que nous besoin, ce sont des hommes d'expérience, c'est pour qu'ils aient fait quoi de vieux, qui paient, qui disponibles tout de suite, qui peuvent faire payer à devant pour que nous vous fassions confiance. Il faut depuis le 6, nous tout en masse. Depuis le 6, il faut pas y de tout, parce que pas oublier un bagage. La loi électorale changée. Ce n'est pas comme avant, il faut obtenir 25% des inscrits et la moitié des votants. Jeudi jour, c'est la moitié des votants. Quand on monte hier au soir, 100 000 votants. Il peut dire 50 000 personnes qui ont voté. Si 50 000 personnes qui ont voté, en liste fait 25 000 voix. Plus une voix, il est élu. Alors, sans raison pour les autres, il faut mobiliser dès le premier tour par les délégations. Et puis, pour nous y sur ce d'orgueil, nous pouvons nous pas ni primer 20% en siège là. Et bien, comme il y a médecin, on nous montre le risque, nous qui avons gagné primer 20%. C'est pour ça que nous menons. Mais pour cela, pour nous montrer quoi nous déterminer dès le 6. Et puis quand ils disent, et puis Alfred Marie-Jeanne, merci Anchaï, merci.